Bonsoir, nous bulletin pour ce lundi le 6 novembre. Bienvenue, nous passons le bon grand titre. Ministère Finance fait clair qui travaillait pour définitivement bénéficier avec nouveau système taxe de salaire l'État entré en force dans les prochaines comités anti-victimisation de l'Assemblée nationale indique qui jusqu'à présent ont enregistré 386 complaintes pour des monde qui disent qu'ils ont été victimisés. L'UNODC respecté dans l'aide technique CCL pour aider à combattre fléau drogue dans la société. Et plus qu'il y a 20 individus qui ont été blessés suivant l'incident fusillade côté l'église d'Amérique. Bon détail à présent. Ministère Finance fait clair qui travaillait pour définitivement bénéficier avec nouveau système taxe le salaire, l'État y entré en force l'année prochaine. Secrétaire principal pour Finance, M. Patrick Payet, qui donne sa précision, l'État espère répondre à question de plusieurs sujets concernant Bidze 2018 dans le programme Bonjour Cécile, bon matin. Dans son discours Bidze pour l'année prochaine, présenté devant l'Assemblée nationale semaine passée, ministre responsable pour finances, M. Peter Larose, a annoncé que sa système taxe progressive au salaire pour prendre l'effet les premiers juillet l'année prochaine. En bas à nouveau système, pour n'a pas taxe le tout salaire 8555 roupies 55 sous et pas en bas. M. Payet a donné l'exemple un salaire 12000 roupies que taxe pour commencer payer par là au 8555 roupies 55 sous jusqu'à 10 000 roupies, qui 15% taxe seulement de sa différence entre sa des chiffres, et 20% de sa somme 2 000 roupies, et ça y est entre 10 000 à 12 000 roupies. La plupart du monde a l'exemple de 12 000 roupies, là il peut payer le bout de 117 roupies. Le son, l'autre bout, par là au 10 000 roupies jusqu'à 12 000 roupies, ça veut dire que ça 2 000 roupies, il peut payer 20%. OK, avait dit 2000 roupies times 20% qui fait li 400 roupies. Ajoute ça 400 roupies, ajoute ça 217 roupies, il fait li 617 roupies. Comparé avec 1800 roupies qui peut payer aujourd'hui, avec 617 roupies qui peut payer le temps progressive income tax, il peut faire li un bénéfice almost 12000 roupies, 1200 roupies. OK. OK, sorry, 1200 roupies not 12000, 1200 roupies. Si nous prenons l'exemple 15 000 roupies, il peut même l'exemple, il peut gagner son exemption 8 500. Par là, 8 500 jusqu'à 10 000, il peut payer 15%. 10 000 jusqu'à 15 000 roupies, avec 5 000 roupies, qui peut payer 20%. Aujourd'hui, il peut payer 2 250 roupies, il aura 15%. Demain, il peut payer 217 roupies. Après, ajoute ça l'autre 1 000 roupies. 20% là, ça 5 000 roupies, il vient 1 000 roupies. 1 200 roupies, comparé avec 2250 roupies qui peut payer. Il prend un bénéfice 1000 roupies. Gouvernement a annoncé qu'il pour implémenter ce système en juillet l'année passée, après il envoyé pour janvier l'année prochaine et la nouvelle date d'implémentation est juillet l'année prochaine. M. Payet expliqué qu'il est nécessaire pour simplifier ce système. Par exemple avant, tu prenais beaucoup de formes qui travaillaient, tu besoin remplir. Et je suis capable de soumettre ça directement avec SARC. On a l'IBSIS pour vous gagner taxe sur FN ou soit pour vous regarder si vous avez des trois jobs pendant ce gagner huit jobs. Il y a quelque chose comme qui nous voit qui nous besoin de simplicité un peu nos systèmes. L'État nous discute un peu avec le secteur privé, employeur. Vous aussi vous mettez un peu réservation à cause de votre système pas encore paré. Et vous autres commencez à préparer votre système, l'État la loi il est approuvé. So, l'État nous voit qui nous présente Bidze le 31 octobre. L'État Bidze pour finir de discuter. La loi nous peut amener dans des semaines devant l'Assemblée, nous peut finaliser avec l'attorney général. L'État nous finalise ça, la loi. Il y a une discussion aussi l'Assemblée nationale pour voir qui final policy qu'ils ont approuvé. So, nous ne sommes pas capables en janvier 2018 mettre la loi et approuve en décembre. Nous dit avec employés, nous avons besoin de récents autres systèmes qui, en janvier 2018, nous avons besoin de commencer à implémenter ce système. Donc, oui. Nous voyons qu'il est nécessaire pour nous envoyer li en zilliet à cause de la simplicité qui nous introduit et aussi à cause d'employés aussi besoin de nouveaux systèmes pour nous appliquer ce système.
Quand il concerne le coût de la vie et le salaire minimum, qui beaucoup de monde considère comme en bas, M. Payette dit qu'il devrait faire graduellement à cause de l'impact. Mais si on increase l'increase salaire de base, il affecte depuis son 10 monde en bas jusqu'à son 10 monde plus haut. À cause, par exemple, si on dit salaire de base, quelquefois, il n'est pas sorti. Il sorti 5050, il y a 10000 OP, ou besoin d'un increase tout du monde. Oui. À cause, par exemple, ça dit, mon osor dit qu'il a 7000 OP, il peut passer devant son supervisor qui peut gagner 9000 OP. So, définitivement, il a besoin increase, il prend l'impact direct là, tout du monde. So, l'État get the cost to the private sector, côté, il a parti sa cost. Il a besoin de gagner additional revenue. Et là, quand je peux faire, ils ont besoin d'increase zone ban revenu, zone ban rates ou soit zone ban prix à 110 qu'ils ont payé ça. Et à la fin des fins, il y a l'affecté ça dit mon individu qu'on a l'increase son salaire de base. So définitivement pas qu'à faire les 5 coins direct, ou besoin faire les graduellement. Les temps on voit il y en a plus growth dans l'économie ou voir ou capable faire les à ce moment. L'Assemblée nationale est joint demain qu'au dirigeant l'opposition de l'Assemblée nationale, M. Wever Ramkalawan, et dirigeant des affaires gouvernement de l'Assemblée nationale, M. Charles de Komamon, pour premier pour donner une réponse au discours Bidze, qui est ministre responsable pour finances, commerce et planification économique, Dr. Peter Larose, s'est fait mardi passé. Ça poursuivre par réponse les autres membres après. Toujours dans l'Assemblée, comité, nous restons le comité anti-victimisation dans l'Assemblée nationale. Il dit qu'ils ont pu gagner une bonne coopération avec des gens qui ont appelé pour venir répondre à des questions de bonnes complaintes qui ont emmené contre les autres ou bien les autres organisations. Ce comité a été établi l'année passée dans le cadre des efforts pour amener la réconciliation nationale. Il a commencé à enregistrer 24 en avril 2017 et jusqu'à présent a enregistré 386 complaintes contre 10 personnes qui disent qu'ils ont été victimisés. Ce comité écoute 152 de sa bonne cas qui ont été enregistrés. Sa comité y en a 8 membres sortis dans tous les départis. Normalement, ils ont rencontré 2 fois par semaine. Ils ont enregistré 396 complaintes. Ça y varie depuis l'acquisition de la terre, la case et les autres propriétés. Ban qui n'a poussé dans travail mal à propos. Ça qui senti panzoui ban bénéfice qui l'État y donnait et qui ont mérite gagner. Ban qui n'a subi l'habit physique mal à propos. Pas officier la police ou soldat. Ban qui pan gagne payé ou mal gagne payé. Les autres bonnes bénéfices parmi plusieurs les autres. Bonne cas qui sa comité dit la majorité n'arrive dans l'époque parti unique. Sa comité n'écoute 150 cas et une question plusieurs individus et sef ban l'organisation contre qui ban complainte une gagne mené. Pareil la police, SPDF, PUC, SACOS, l'agence protection sociale parmi plusieurs les autres. Et beaucoup sa bonne cas une gagne résoudre. C'est une bonne banne qui une gagne renversée. Les temps amènent contre nous. Nous avons venu contre nous avec, comme nous avons gagné une bande dans notre département sport, dans notre discipline sportive. Contre nous, nous écoutons et sa bande bande gagne renversée. SPDF, c'est les temps indémoniques qui étaient son compensation, qui disposait de gagner le pays, les temps quittés, son compensation par maille avec son l'état qui ne fait. So, c'est ça qui est SPDF, les temps venus. Vous résoudre une voie pour dire qu'il y a un endroit pour quelque chose, il n'y a pas maille. Alors, nous avons. Zotin aller, zotin rectifier ça, zotin notifier nous pour dire zotin rectifier dans ce contexte. Nous n'en cas que ben tu m'engages reinstate dans notre position, que zotin gagne dit aller, mais c'est moi qui donne écoute tous les deux côtés, ben gagne reinstate. Ça veut dire certainement que nous nous résoudons. Puis évidemment les autres que n'a pas aucun avec compensation, ils disent qu'ils demandent sinon vient l'éclaircissement, le ou bien tu en vises externalise autres. Ce sentiment que je sens de victimiser. Nous comptons qu'avec la majorité du ministère, du département et de l'entité, même le côté secteur privé, du parastatal, nous avons une bonne coopération. Donc, je suis content de dire que le CEO a bien coopéré, whether it is SACOS ou bien PUC, tout ça, c'est safe in Vini. Nous avons un cas de sortie de l'hôtel, quand mon instance est victimisée par le management de l'hôtel. Le commissaire de la police, à l'époque, pas ça, comme il a, ça, il a avant une vignée avec des officiers qui ont une complainte.
tout ça, la bande de vini et nous vient à bonne conversation, faut nous voir la clarté. Pas tout qui nous résout, mais beaucoup cas nous vient à bon résoudre. D'après sa comité, beaucoup sa bonne cas, il gagne résoudre amicalement. Et quand il écoute des monde sorti, qui vient un petit peu en colère ou bien sans s'y victimiser, il sorti, il donne poignée de main. Respondant et que c'est aussi une réseau qui n'a pas besoin d'aller aucun plus loin. Moi-même, moi, comme un speaker, moi, j'emmène des pas des immunes. Tous les deux nous réseau de façon très amicable et mon crois, ça qui t'y peut dire, pas t'y menti. Et mon dit, comme ça, si vrai qu'ils m'ont fait ça, alors moi, j'ai l'excuse parce que moi, c'est mon humain et nous sommes d'accord, l'autre way forward et nous levons, nous donnons pour y aller, comme on aller. Mais pas de beaucoup de cas qui quelque chose est assez facile. Il y en a qui plus facile et il y en a qui plus compliqué. Nous avons trois cas que nous vous allons faire un site visit. Nous aussi on a des respondants, ça veut dire des personnes qui en ont complète contre autres, qui challenge nos comités en cours. Et ce challenge il coûte la cour constitutionnelle et nous pas capable voir ni respondant ni complainant escalier la cour prononçant les cours là. Mais pour il y en a 30 cas qui nous besoin réécouter encore à cause nous peut inviter les autres monde comme témoins chaque témoin il y en a d'hommes sont témoins c'est le cas que nous pas d'accord c'est nous pas emmène les témoins emmène un avocat pour une représentation légale qui action comité prend avec bon témoin qui pas ou non l'ordre qui sa comité y donne si nous dit un témoin nous sommes un témoin qui lit comme un respondant, il y en a complète contre son compagnon, il n'est pas venu. Nous avons le droit pour faire la police venir pour un lit pour mener devant le comité anti-victimisation. Nous avons ce pouvoir pour nous faire signe que ça dit que nous avons appelé, il vient. D'après sa comité, il y en a 20 complaintes concernant l'acquisition de la terre, la case et les autres propriétés qui sont écoutées. Sa bonne cas pour gagner refaire avec le tribunal qui a établi spécialement pour guette dans sa bonne cas et compensation. Bonne cas l'habit physique commet par les officiers de la police ou l'armée. Zot pour après gagner refaire avec un autre tribunal qui pour gagner établi expressément pour ça. Pareil, président Fort Indéza annoncé. Sa comité pas capable d'écouter aucun cas qui ne déjà gagné mené devant l'autorité légale côté décision fini gagne prend ou pé attendre par exemple si on amène devant PSAB si on amène devant employment tribunal si on amène devant ombudsman et qui n'en a un ruling nous pas capable présenter réouvrir un cas si on amène devant la cour qu'un ruling nous besoin respecter sa ruling nous pas capable ça veut dire déjà un recourse avec un body corporate un body qui est déjà établi qui en a un statut légal il besoin si la cour il passe un jugement il capable faire appel avec un la cour plus haut mais c'est moi nous pas capable de faire là-dedans. En ce qui concerne sa maladie la peste, pour le moment, n'a pas personne de Ward Emmett l'hôpital Cécile et dans l'académie militaire Persévérance. Département la santé y a encore payé des croisimons pour le Madagascar. Ça y a cause y a encore une maladie la peste là-bas. Même si Air Seychelles y arrête son bon vol direct Madagascar, y a encore un dimon qui peut prendre bon vol en passant par Maurice pour là-bas. Nous rappelle qu'il plus bon que la peste Madagascar si dans la ville Tamatav. Officiers la santé publique ti ici côté spécial aujourd'hui pour cause le façon pour plus bien rapport le bon cas maladie si tout de bonne situation disons pareil sa ka la peste qui en a récemment docteur Naomi Adeline indique qu'en ce moment autocorp civé bon cas la peste Madagascar pour le moment Madagascar est encore en an sa l'épidémie la peste il peut diminuer mais seulement il y a encore non alors nous ben surveillance sur en place et nous peut essayer faire tout qui nous capable pour empêcher la peste en train de cesser il peut diminuer Madagascar mais seulement il y a encore non incapacité qui nous besoin faire si il pas en train de cesser. Le côté de la santé, nous n'avons pas personne dans l'isolation de l'hôpital et nous n'avons pas personne en quarantaine persévérance pour le moment. Mais seulement si nous n'avons aucun des monde qui vient sortir de Madagascar, nous pouvons mettre direct persévérance pour 7 jours. Et si vous arrivez à faire 7 jours, peut-être dans l'autre pays, Maurice ou bien Kenya, les autres entrées, 20 jours, pas pour besoin de l'ambassade surveillance. Nous pouvons faire ainsi que tout le monde qui sortit de Madagascar, il fait au moins 7 jours en dehors de Madagascar avant d'entrer dans nos populations.
Président Anani Fort, il nous a dit à pointe trois membres le bord de rappel l'autorité de la santé publique. Saban Mam et Mlle Annalisa Labiche, qui est nominée par le ministère de la Santé. Dr Agnès Chetty, nominée par Citizens Engagement Platform, CEPS. Et troisième, et Kalyan Karuna Karan, l'Inga est nominée par Bureau Attorney Général. Saban l'appointement, il y a encore avec, il y a encore avec section 23, la loi l'autorité de la santé publique. Et sa trois membres pour électer Zotiemen parmi Zotiemen. Fonction sa board, rappel, c'est pour écoute et décide le bon rappel qui a fait contre décision l'autorité la santé publique. Sa bon appointement, il prend l'effet tout de suite et il prend une période 3 ans. C'est celui respecté dans l'aide technique avec l'Office des Nations Unies pour drogue et crime, UNODC, vers la fin de l'année. Ça, il suit des demandes qui président Foreign Fair pour gagner l'assistance internationale pour aider à combattre drogue dans le pays. Président y fait sa demande avec responsable programme crime maritime au niveau global, sorti du bureau des Nations Unies pour drogue et crime, UNODC, State House. Bon matin. L'Office des Nations Unies pour drogue et crime, UNODC, il aide Cécile beaucoup dans le passé avec problème piraterie, quand on a des facilités de formation militaire pour combattre piraterie dans l'armée. Mais pour la dernière année, l'activité piraterie peut diminuer. Et à présent, responsable pour le programme crime maritime au niveau global, sorti de l'Office des Nations Unies pour drogue et crime, UNODC, M. Alan Cole, il dit que UNODC a l'intention d'assister Cécile dans les autres domaines. We have a number of exciting projects. One is that we want to reinforce Seychelles as a maritime law enforcement training center using the excellent facilities you have here. That will involve training of foreign nationals here. We've trained Somalis, Kenyans, Tanzanians here in the past, and we'd like to continue to do that. We're also working on a very important database for Seychelles police to improve the efficiency of their investigations and the speed with which they go through the courts. And we're very active in the judiciary as well, assisting your Chief Justice with her important efforts to improve the efficiency of the judiciary as well. So you'll be seeing UNODC in Seychelles for some years to come, I think. Pendant son visite State House, président Ford s'est demandé que UNODC assiste Cécile dans la lutte contre le fléau drogue. M. Collins dit que vers la fin de l'année, UNODC espère envoyer un expert pour venir donner support technique, l'agence pour prévention de la drogue et réhabilitation. The challenge now is much more on drugs, and we're now supporting the president with his very important work to support both a law enforcement approach to the drugs problems which Seychelles has, and also a health and rehabilitation approach. And we've been discussing with him how we can help in both those areas. We have a broad mandate to support our member states on law enforcement across all sorts of organised crime. But it's particularly drugs that we're focusing now. I know that's at the front of the president's mind, and his strategy seems to be precisely the right one, which is to have both a law enforcement and a health response, and we have expertise in both those areas. Concernant bon pirate somalien qui peut gagner détenu ici, il s'est collé dit qu'ils ont pour faire procéder pour rapatrier sa groupe 15 prisonniers la Somalie. We only have a small number of Somali piracy prisoners still in Seychelles, about 15, and we're working very hard to return them to Somalia by the end of this year. And that will bring to the end this particular chapter, in that there are no more cases to be heard here and no more prisoners here. Of course, we can't be certain that there won't be more piracy attacks and more prosecutions, and I know that Seychelles stands ready to do its part in that. But for now, Somali piracy is at a very low level, and there haven't been any arrests recently. Pendant son visite ici, il s'est collé pour aussi rencontrer le ministre des Affaires internes, commissionnaire de la police, garde la côte et aussi rendre visite aux prisonniers somaliens de prison. Un manque d'infrastructure, accès avec masse, primes des animaux et medev, il s'est une difficulté qui fait mieux pralin, qui fait élevage animaux peut faire face avec actuellement. Cet effet mieux, tu grand sens, exprime zone bonne concerne, les temps qui ministre pour la paix, c'est l'agriculture, madame Pamela Charlette, tu visites zout, pendant le week-end. Bisa une visite ministre pour la paix et l'agriculture madame Pamela Charlette qui pour interacter avec bonne fermier qui sont les animaux seulement pour comprendre un peu ce qui concerne et en même temps voir pour lui-même situation le terrain et apporte son support côté possible. Ministre Charlette et son délégation parmi le secrétaire principal pour la paix Michael Nalentambi et secrétaire principal pour l'agriculture Antoine Marie Moustache qui visite premièrement la ferme M. Pierre Filoré côté son écosson Cap Sami Besantane.
Ensuite, j'ai visité la ferme, il séjour dans Bonhomme qui situé petit la ville de Saint-Anne, li y partenaire avec Imse Ralph Souf, que d'autres sont plus qui 200% et une trentaine bœuf pour la viande, mais j'ai aussi vendre vivant. Je ne pas juste faire l'élevage pour son, mais j'ai aussi à la ferme légumes et j'ai son et mousse du miel. Tout employé, des Bangladeshi et NCC Loa. Quand on a un peu de temps passé, nous avons 325% nous avons diminué un peu. À cause du problème de la vente. Nous avons fait des manies. Et par exemple, pour la production de la viande, même, est-ce que vous avez un rendement là? Il faut en arriver. À cause nous avons un problème, nous n'avons pas d'abattoir. Nous n'avons pas de débit de produits, nous n'avons pas envie. Nous n'avons pas de vendre un produit avec l'hôtel. L'hôtel peut demander un stamp qui ne passe pas d'abattoir. Après, c'est sanitaire. Mais sinon, qui est meilleur ou peut vendre ou bien cochon pour les produits? Pour le moment, nous pouvons vendre plus vivant. Et puis, parler, prendre des dîmes, nous tous, et même après, nous pouvons vendre entier. Et l'autre la ferme qui délégation ministérielle tu visité tu en scale en grand temps avec madame Véronica Capricheuse qui lui aussi il sont cousin et en son propre embousserie. Madame Capricheuse il aussi rencontre difficulté pour gagner ses animaux et la tisane. Concernant nos abattoirs, nous on demande clarification et puis après nous tendre les indignes, nous besoin clarifier si pour faire, si pas pour faire. Mais ministre donne nous bon parole qui l'abattoir. Puis elle va commencer pour faire l'année prochaine. Après, un dépôt, il y a quelque chose. Il y a un fer, un pis qui n'a pas un stock qui n'a pas la côte de la guilty. Tout ça, là, nous avons besoin de mettre devant pour aider, pour améliorer la vie fermière. Secrétaire principal pour l'agriculture, M. Antoine Marie Moustache, il dit qu'il est important que le gouvernement supporte sa secteur de l'agriculture. Pour assurer la sécurité alimentaire. Il dit que sa bonne fermière reste en production pendant sa dernière 5 ans, malgré un moment difficile, et là, il félicite les autres. Il dit qu'il y a un manque d'aide, il reste comme une défaillance dans sa secteur. Première quelque chose, c'est possiblement déboussement. Déboussement pour les autres produits. Et encore un cas, étant que les produits importés, il y a encore un petit peu plus meilleur massé. Dimoun, il y a encore peut préférer peut-être acheter quelque chose qui est meilleur marché. Naturellement, alors, si vous pouvez préférer quelque chose qui est plus meilleur marché, ça qui produit local, pas native production locale, il fait un petit peu plus cher. Alors, Dimoun pas nécessairement favorisé. Alors, peut-être déjà même, on peut dire quelque chose qui produit local, la viande locale est encore classe, est encore meilleure qualité, et nous devons aspirer pour nous capables de consommer ça. Ciment avec plus de support sorti contre le ministère de l'Agriculture, si toi avec construction et l'abattoir, le pralin, la vie va faire mieux de s'asile, elle va améliorer, que tu es capable d'augmenter notre production. L'autorité pour CCL fait donation de tank de l'eau, la peinture, rouleau et pinceau. Côte résidence, Bandi Wonazé, Gontons Pralin et Saint-Joseph, Côte de la Case. Bon, c'est le comité social Côte de la Compagnie qui s'y remet ce document avec résidence à l'endroit. Comme partie de notre responsabilité sociale, l'autorité porte une choisie premièrement sa résidence pour faire donation de tank de l'eau, la peinture, pinceau et croulot. La case Bandimounazé, Grand Anspralin, a ouvert son apport pour première fois les 5 Zidiètes 1992. Madame Cindy Jean, responsable résidence, y recevra sa donation. Chairman Board of Trustees, côté la case Bandimounazé, Madame Julina Jeanvol, qui remercie l'autorité porte pour sa zis. Nous sommes Board of Trustees, résidents, travailleurs ici. Nous voulons dire grand merci à cause de ça. Nous connaissons la session de venir, nous avons des problèmes, ça va passer. Alors, ça, il faut un grand aide pour nous. Sœur Hortense et Sœur Rosemila, ils font partie de la congrégation Filles de Marie et ils ont resté tous là.
J'ai bien apprécié sa visite et en plus montré son appréciation pour sa donation sortie contre l'autorité port. Je dis un grand merci à l'autorité port de Pralin et l'autorité port Cécile Lantier pour nous faire nous sa cadeau, nous choisir nos communautés pour faire sa donation. Je dis un gros merci qui bon Dieu il bénisse, il donne toujours courage, la santé et la force pour continuer à faire du bien dans notre travail. L'autorité port pour aussi installer sa détecte des locaux tous les résidences. Chairman comité social à côté de la compagnie, M. Vincent Didon, il dit qu'il souhaite faire un peu plus de donations à l'avenir. Nous pensons qu'il y va faciliter, il va assister sa bande la loi qui nous donne, qui a besoin. Et M. Koudji, il n'y a pas avoir dernier hein, qu'il va faire. Et ça, tous les années, il va continuer à venir écouter pour l'autorité port faire une donation. Ministère de l'Environnement, l'énergie et le changement climat, ici est l'accord avec l'Institut ingénieur dans l'énergie renouvelable, la CIN. Cet arrangement permet pour qu'il y ait un groupe de travail expert et d'un support technique pour implémenter un projet pilote qui promouvoir l'énergie qui propre à travers le pays. On va s'apposer au moins 15 écoles publiques pour bénéficier avec un système qui amasse l'énergie soleil, système photovoltaïque par il gagne appelé. Sa signature est aussi couvert des masses pour installer un système photovoltaïque à côté bâtiment l'autorité parc national qui basé aux îles Kyrieuse. C'est secrétaire principal du département l'énergie et changement climat qui t'signe à l'accord le côté CCL, tandis que le côté l'Institut ingénieur du domaine l'énergie renouvelable, Timamsel Jean Jali. Sa signature est faite pendant une cérémonie récemment au ministère de l'Environnement, l'Énergie et le Changement Climat. Justement, signature à l'accord et concrétise un autre accord qui est signé plus bonnet ça l'année, ça c'est le 23 mai entre la CIN et le gouvernement CECIL à travers le ministère de l'Environnement, l'Énergie et le Changement Climat pour implémenter poser pilote qui promouvoir l'énergie qui propre pour aider à adresser ce problème de changement climat. À travers sa programme pilote, sa groupe travail expert impliqué pour donner matériaux et aussi organiser session formation qui nécessaire. Sa posée est expecté commence à implémenter bonnet l'année prochaine, de suite après qu'il y a un équipement qui peut servir inarrive Cécile. Ministère de la Santé recevant une donation l'équipement personnel, protection personnelle. C'était représentant WHO, Dr. Tenen Gakuru, qui s'y fait sa donation. Ça tient que les masques, les gants, stretchers et les autres. Dr. Gakuru, il dit que la situation de la peste Madagascar, il apprive qu'il nous besoin de renforcer surveillance et protection universelle, et spécialement parmi bon travailleur la santé qui gagne premier contact. Sa bon équipement pour aider sa ministère pour renforcer sa bonne mesure contrôle et prévention. Sa donation est faite dans la présence ministre pour la santé, M. Jopoladan, Dr. Daniel Louange, Dr. Jude Gédéon et les autres officiers de la santé. Sa bonne équipement, il coûte WHO, plus que 56 000 roupies en Cécile. Et ministre pour la santé, il remercie WHO pour sa donation en disant qu'il sa bonne équipement pour aider Cécile dans son combat contre la paix. Dr. Adeline, il corrige une information qui s'est donnée plus bonheur. Il dit qu'il y en a des dix monde qui en bas l'observation de l'Académie militaire Persévérance. Ça y est après qu'ils sont arrivés hier sorti Madagascar. Plus bonheur, Dr. Adeline, il dit qu'il n'y a pas personne en bas l'observation ici. C'est là aussi que nos bulletins terminés. Merci pour qu'ils suivent et bonsoir.